fait, c'est un dispositif qui n'existait jusque-là que pour les départements d'outre-mer, puisque c'est la compétence de l'État dans les départements. Mais dans les collectivités comme la Nouvelle-Calédonie, c'est les autorités locales qui sont compétentes, comme le gouvernement ou les provinces. Et donc, j'ai demandé à l'Assemblée nationale que ces dispositifs nationaux soient étendus aussi à la Nouvelle-Calédonie, puisque même si on est compétent, je crois qu'il y a des sujets sur lesquels la solidarité nationale doit s'exprimer. Et l'aide aux plus démunis et l'aide aux plus jeunes démunis doit être une priorité nationale, quel que soit le statut du territoire. Et ça a été accepté, ça a été voté par l'Assemblée nationale et c'est comme ça qu'on a obtenu les 250 millions de francs qui sont aujourd'hui transformés soit en bons alimentaires, soit en subventions aux associations, comme aujourd'hui la Maison de l'étudiant qui en bénéficie pour aider les étudiants les plus démunis, les plus précaires, enfin ceux qui en ont besoin. Bah, je pense que c'est une situation qu'on peut retrouver partout sur le territoire national, donc c'est pour ça que je pense que la métropole, l'État a été attentif à se dire ici il y a aussi une problématique de vie chère et finalement nos étudiants, même si on est loin dans le Pacifique, ils ne échappent pas à cette situation difficile. Et on parlait d'égalité des chances aujourd'hui et là c'est vraiment un geste fort et une preuve que tous nos étudiants sur le territoire national doivent bénéficier des mêmes moyens de réussite. Il y a des associations caritatives que l'on connaît bien, Saint-Vincent-de-Paul, Croix-Rouge, Secours catholique, qui sont les vecteurs de distribution de ces bons. Donc merci à toutes ces associations de le faire. Mais encore une fois, quand on voit une université comme celle-ci à Douville, on est loin d'imaginer que de jeunes étudiants doivent en passer par là pour pouvoir avoir un repas dans le ventre. Voilà, donc je suis content de voir que le fléchage de ces crédits publics de l'État, ils en bénéficient. Je suis heureux de savoir que voilà, il y a une initiative parlementaire qui a permis la mise en œuvre de ce dispositif ici en Nouvelle-Calédonie, mais quand même ça interroge. On est vraiment reconnaissant auprès du député, surtout, parce que comme il a dit tout à l'heure, c'était vraiment dur parce que ça ne se fait pas sur notre territoire et ça nous met à une place importante surtout. Et j'espère que les étudiants feront bon usage aussi de cette aide-là.